que vous allez bien. Moi, ça va super bien aujourd'hui. J'ai mon vaccin à faire. Donc, j'ai pris rendez-vous dans la pharmacie à côté de chez moi. Donc, je vais faire le vaccin de la coqueluche. Là, je dois y être avant midi. Donc, je vous tiendrai au courant. Dès que je l'aurai fait, les fusibles chez moi ont pété. C'est-à-dire que même les prises là qui sont dans ma chambre, elles ne fonctionnent pas. Donc, je sais que c'est de ma faute. Voilà, je m'auto-balance. Voilà, hier, j'ai réfléchi en fait à ce que j'ai fait. Et je sais que c'est de ma faute. En fait, quand hier, j'ai fait cuire les artichauts, l'eau elle a dépassé la casserole et en fait d'habitude ça fait rien, mais je pense que ça allait dans le four parce que en fait il y a que le four qui fonctionne pas et ça a dû faire péter les fusibles de trois pièces différentes. Donc voilà, j'ai avoué à Jamal que c'était de ma faute. Là voilà, il a commencé à dire bref, et là du coup je vais laisser gérer le problème. Il a son pote, c'est un électricien, voilà, il va voir ce qu'il peut faire, etc. J'ai encore la facture du four et tout. Je pense pas qu'il soit cassé, enfin, j'espère pas, de toute façon c'est de ma faute, mais bon, je suis désolée, les plaques au-dessus du four c'est normal, je comprends pas pourquoi l'eau, quand ça dépasse un petit peu, voilà, ça casse directement. Bref les filles, de toute façon je le laisse gérer ce souci, moi comme je vous ai dit je vais aller faire mon vaccin. Et cet après-midi, je vais m'occuper du vide-dressing, vraiment je vais tout trier, je vais tout organiser, comme ça je suis tranquille pour le 19 mai. Donc je vais acheter portant, je vais aller à Action à Ikea, portant, sac, cintre et je vais tout mettre sur portant. Donc tout ce qui est à 5€, 10€, 15€, le maximum, les filles, ça sera 20€ pour les vestes, doudounes, etc. Mais voilà, dépassera pas entre 5 et 15€ et j'ai hâte de faire mon grand vide dressing. Le premier c'était super bien passé, là je pense que ça va être encore mieux parce qu'il y aura du monde, du coup il y aura CM, il y aura même Loan, donc je suis vraiment trop contente. Je vais commencer par mon vaccin. Comme ça, c'est fait. Après, je vais aller manger. Et ensuite, j'irai trouver tout ce qu'il faut pour le vide dressing. Je vais bien m'organiser. Franchement, ça va être trop, trop bien. Vraiment, j'ai trop hâte d'y être. Oh, regardez mes tout premiers vaccins en 2000, en 2001. Oh là là, ça fait trop bizarre. Dire que là, je vais faire la même chose pour mon bébé. Bon, avant de partir, je vais juste ouvrir mes colis parce qu'il y avait des colis dans la boîte aux lettres. Je sais pas ce que c'est ça. Ah ok. Je sais ce que c'est. C'est grave vite. J'ai repris deux brumes à la fleur d'oranger puisque j'en avais plus, les bayams. Vraiment j'étais en rupture donc j'ai pris que fleur d'oranger. Quand je vais récupérer ma voiture, je vais en mettre une directe. Et là il y a les nouveautés. Trop bien. Oh wow, je sais pas si je peux vous dire, mais dinguerie. Ouais, il y a une nouveauté, celle-là, la bleue là. Dinguerie, c'est une odeur que j'aime trop. Et celle-là, c'est quoi? Il y a trois nouveautés là. Quatre. Mais celle-là là. Ah, j'ai hâte de la sentir. Attendez, je vais sentir. Je vais demander à la marque si j'ai le droit de le dire, puisque c'est jamais. Déjà les packaging ils sont trop beaux, ils sont nouveaux. Attendez, je vais sentir. Oh la dinguerie. Oh la dinguerie des filles, la nouveauté. Attendez, je sais pas si on voit mon adresse. Non c'est bon. Oh, la dinguerie. Oh là là, j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Je vais demander à la marque si je peux vous en parler ce soir. Mais waouh, parce que je crois que ça va faire un lancement. Dinguerie. Bon les filles, j'ai le droit de vous dire, regardez-moi cette nouveauté. Déjà le packaging il est trop beau, moi j'avais pas eu les nouvelles élixirs et l'odeur musc blanc, je l'ai senti. Et je vous dis c'est quelque chose, vraiment celle-ci, c'est quelque chose. Quand je rentre à la maison directement, là en plus j'ai fait mon ménage ce matin, je vais mettre ça chez moi, choquée. Dès que j'ai un code les filles, je vous le donne, mais dinguerie, le musc blanc, elle est incroyable cet élixir. Moi je suis en direction de la pharmacie, je fais mon petit vaccin, ensuite je vais manger, j'ai trop trop faim, je vais me prendre un sandwich.
Allez les filles, let's go. Bonjour. Bah écoutez, ça y est, je l'ai fait. J'ai un peu mal au bras, mais ça va. Franchement, ça va. Et voilà, une bonne chose de faite, voilà. Un petit soin à la maison pour mettre un jogging parce que cet après-midi je vais m'occuper du vide dressing, enfin de tous mes vêtements à trier. Du coup le vaccin c'est fait, je vais aller manger avec ma belle-sœur du coup comme elle sera chez ma belle-mère et que tous les vêtements ils sont dans le garage de ma belle-mère, on va faire du tri cet après-midi. Donc là on va au quick, on va récupérer les petits, on va manger tous ensemble et ensuite on s'occupera du garage et des vêtements et du vide dressing. Récupérer la commande parce qu'on va ramener à tout le monde à emporter. Faut toujours vérifier les commandes quand vous allez au drive parce que là il manque un sandwich. Ma belle sœur elle va aller. Oh, comment j'ai faim. Moi j'ai pris un long fish. Même si c'est halal, il est halal chez Quick. Le fish du Quick c'est le meilleur filet au fish. Vraiment il est incroyable. Mais heureusement qu'on a vérifié parce qu'il manquait vraiment un sandwich. Des fois, ça fout le seum parce que tu pars avec ta commande, t'arrives jusqu'à chez toi et par exemple, il manque celui de ta sœur ou de ton frère. Vraiment, toujours vérifier les commandes du drive. Là, les filles, je suis chez ma belle-mère, on va s'occuper du garage. Ça va, Rocky? Il est trop beau, ce chien. C'est trop beau. Trop, trop beau. Oui. Bon allez les filles, je vais m'activer. Il y a plein de cartons derrière moi. Là c'est le petit showroom qu'on avait commencé à faire pour ma belle-mère. Comme ça je vais lui débarrasser son showroom. Il y aura moins d'affaires et ça sera beaucoup plus clair. Je vais mettre aussi des éléments comme ça les filles. S'il y en a qui sont intéressés, vraiment je vais mettre pas cher. Ça c'est des bottes de pluie Gucci mais elles me vont plus du tout. Faut que je nettoie par contre, il y a des petites taches. Mais celles-ci aussi je vais les mettre vraiment à bas prix. Franchement les filles, je suis trop contente, j'ai tout trié. Ça c'est mes vêtements d'hiver, donc ça j'ai bien marqué je garde parce que jamais on sait jamais est capable de me mettre ça à la poubelle. Là j'ai fait un petit carton de chaussures à vendre, donc tout ça, il y aura des talons, il y aura de tout. Ici c'est carton pull, donc vous avez de tout, hein. Il y a du Zara, franchement il y a beaucoup de Zara, il y en aura beaucoup, ça il me semble aussi que c'est Zara, ouais. Il y a beaucoup de petits pulls. Là aussi, on a des petits pulls que j'ai acheté mon plus récemment. Zara, il y a de tout. Franchement, les filles, il y a de tout. Donc, tout ça, les filles, ça sera au vide dressing. Vous avez vraiment pas mal, pas mal, pas mal de vêtements. Il y aura des abayas, des pulls. Et il y a un carton spécial jean. En fait, il y a deux cartons manteaux. Un carton jean, un carton pull, un carton robe, un carton abaya. En fait, vraiment, les filles, vous allez être servies au vide dressing. Bon après je vais faire selon la place que je vais avoir hein, parce qu'il me semble que j'ai le droit à 5 portants. Mais vraiment il y en aura des petites tailles comme des grandes tailles. Journée productive. Les filles j'ai tout trié. Il me restera juste à mettre sur portant et sur ceinte. Je suis trop contente. Il y a pas mal de trucs aussi que j'ai repris puisqu'il y avait des trucs que j'avais mis dans les cartons. Mais finalement que je ne veux pas vendre. Donc ça je vais garder. Franchement je suis trop contente. Il y a pas mal de vêtements. Vous allez vraiment être servis. Il y en aura de tout. Vraiment il y aura pour tout le monde. Donc je suis vraiment trop 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 contente. Franchement, merci ma belle-sœur, merci ma belle-mère, elles m'ont bien aidée. Par exemple, les filles, mon carton de jeans, genre il y a un carton entier de jeans, je pense qu'il doit y avoir une centaine de jeans, des Zara, des H&M, de tout. Mais je sais que c'est des jeans que je vais jamais remettre, que j'ai accumulé au
fil des années, tous les jeans, par exemple, ils seront à 5 euros. Genre, je vais pas... C'est pas... vous venez comme si ce sera des prix en boutique. Pas du tout. C'est vraiment un vide dressing. Donc, c'est fait vraiment pour se débarrasser et faire profiter quelqu'un à petit... Alors là les filles, je suis rentrée en vitesse à la maison pour vous partager l'offre Afghani Haul en exclusivité. Il y a beaucoup de gens qui m'avaient demandé un code beaucoup plus avantageux que ceux que je partage actuellement. Donc j'ai demandé à la marque, elle a accepté. Donc celles qui étaient en hésitation pour commander l'huile Afghani Haul, écoutez bien cette story et c'est aujourd'hui parce que là aujourd'hui il y aura moins 30%. Donc vraiment c'est une offre exceptionnelle. Très bien les filles, c'est l'huile que je vous parle tout le temps, que ça soit pour la pousse du cheveu, surtout les filles, pour l'épaississement du cheveu, pour la masse et pour la chute du cheveu. Elle va réduire aussi la chute du cheveu si vous perdez vos cheveux. Eh les filles, ça c'est une tuerie. Peu importe le type de cheveux que vous avez les filles, elle va vous épaissir le cheveu. Moi vous savez très bien que mon objectif, c'est l'objectif que j'ai actuellement, mais en beaucoup plus long, d'avoir des cheveux épais et longs et super beaux. Franchement les filles, elle va vous faire une chevelure de dingue, tout simplement parce que la composition elle est incroyable. C'est une huile qui a été élaborée dans les laboratoires saoudiens il y a plus de 20 ans. Il n'y a que des produits naturels. Franchement elle est top de chez top. Toutes les filles du Moyen-Orient n'utilisent que cette huile. Là en France ça commence à faire un carton parce que c'est en train de se développer de plus en plus, mais ça c'est vraiment l'huile numéro 1 en Arabie Saoudite. Elle est extrêmement connue. Donc franchement les filles, aujourd'hui celles qui hésitaient encore pour la commander, profitez-en parce que les moins 30%, je les aurais pas vraiment, je les aurais pas très souvent. Là j'ai demandé exceptionnellement parce que j'ai eu beaucoup de demandes par message de personnes qui me demandaient pour avoir un plus gros code. Donc j'ai demandé à la marque, ils ont accepté. Donc c'est vraiment le moment où j'ai... Concernant l'utilisation les filles, comme tout le temps je vous dis, vous mettez un peu d'huile dans votre récipient avec le peigne. Vous venez l'appliquer en racine sur les longueurs, vous laissez poser 3 heures, vous faites ça une à deux fois par semaine. Ça dépend comment vous pouvez le faire. Si vous pouvez le faire deux fois, c'est génial. Si vous pouvez le faire qu'une fois par semaine, moi des fois je le fais une fois, des fois je le fais deux fois. Avant de faire mon shampoing, je le laisse poser 3 heures, ensuite je me lave les cheveux. Et les filles, vous faites ça à répétition, vous allez avoir la masse que vous allez avoir. Je vais vous mettre tous les retours que je reçois tout le temps sur cette huile. Que ce soit des hommes, des femmes, vraiment ils sont satisfaits. Je vais vous mettre des vrais avant-après d'une personne qui avait coupé ses cheveux à là. Maintenant ses cheveux ils sont à là. Donc moi je ne doute même pas, enfin de toute façon vous le voyez hein, mes cheveux comment ils ont poussé. C'est un truc de fou comment ils sont en bonne santé. Franchement moi je reviens de loin, rappelez-vous avant tout le temps on me clashait parce que j'avais les cheveux qui gonflaient, enfin j'avais perdu mes cheveux suite à une expérience capillaire et là franchement j'ai super bien rattrapé mes cheveux, ils sont en super bonne santé et j'ai hâte qu'ils m'arrivent en bas du dos. Donc moi mon objectif pour 2024 c'est ça et ça comme je vous dis tout le temps, vraiment je veux les cheveux en bas du dos en 2024 et c'est des produits que je vous recommande parce que c'est des produits testés et approuvés que j'aime trop et pour moi c'est une fierté de pouvoir vous présenter la marque Afghani Haul parce que comme je vous ai dit c'est vraiment une marque extrêmement connu au Moyen-Orient, en Arabie. Du coup les filles, je vous le montre, je suis un tout petit peu déçue parce qu'il n'y a pas la nappe. Donc je vais regarder si je ne me suis pas trompée dans ma commande, si j'ai bien pris le bon panier. Parce que du coup, il n'y a pas la nappe, à l'intérieur c'est comme ça. Vous voyez, c'est un peu pour garder les aliments. Il y avait un couteau suisse, il était emballé, j'ai déballé. Et voilà, là vous avez le service vaisselle pour deux personnes. Mais voilà, je m'attendais à mieux. Je suis un tout petit peu déçue, je pense que je n'ai pas pris le bon sur Amazon. Donc voilà, je pense que je vais le donner. Je pense que je vais le donner à quelqu'un parce que et commander le grand avec la nappe parce que je pense que je me suis trompée. Celui-là, je vais l'offrir à quelqu'un.
c'est bon, j'ai trouvé du premier coup. En fait, j'ai sonné chez mon voisin du palier. Je lui ai dit le nom, il m'a dit c'est en bas. Et directement, j'ai sonné, elle m'a dit ah, merci, c'est trop gentil et tout. Donc, voilà, au moins c'est fait. Les filles, du coup, dans ma salle de bain, l'électricité n'est toujours pas revenue. Hein. Jamal, il a bossé aujourd'hui, donc il n'a pas pu gérer ce problème d'électricité. Attends, je vais essayer un truc, là. Du coup, ça marche ? Non, le four, il... Si ! C'est bon ? C'est bon, attends, je vais essayer la salle de bain, attends. Oui ! Enfin, une bonne nouvelle aujourd'hui ! Bon, les filles, là, je suis contente. Franchement, aujourd'hui, c'était trop dur. Vraiment, aujourd'hui, c'était... En fait, c'est... ça avait bien commencé. J'avais fait une journée productive, j'avais fait mes tri, tout ça. Mais là, ça va beaucoup. Mais je suis trop contente. Et l'électricité, et je voulais... ça... c'est trop important pour se démaquiller et tout. Donc là, je suis vraiment contente. Là, les filles, je vais me laver le visage. Je vais me faire un bain chaud. Je vais me détendre. Et demain sera une nouvelle journée. Voilà, demain sera un autre jour. Voilà, et je vous cache pas que si je pense que c'est le vaccin, en fait je crois que ça m'a mis un coup, parce que quand on mangeait, mal au bras, oh là 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 là, je vous le dis, celles qui vont faire le vaccin, après ça dépend, mais mon bras il est tellement lourd, et là si quelqu'un vous fait ça, c'est comme si vous aviez un gros bleu, ça fait trop mal. Donc là je vais me détendre, demain ça va être une nouvelle journée, et la vie est belle. En vrai, tout à l'heure je me suis angoissée tout ça, mais alhamdoulilah, vraiment alhamdoulilah.